petit chat. C'est ça? Ah, il y a de l'aluminium sur les fenêtres. Oh, le chat! Hey, el gato. Gato cariño. Si? Putain, l'interphone est dégueulasse. C'est quoi? C'est de la rouille? C'est du sang? C'est du... C'est pas. Parce que c'est sale. Bon, j'ai pas envie d'entrer par la porte. Je peux entrer par là? Oh, je peux entrer par là. J'entends. La musique a encore changé. Ah, on peut carrément rentrer. Ah, mais attends, ça fait peur. J'ai pas envie de rentrer tout court, en fait. Ah, il y a des portes de deux côtés, d'accord. Donc ça fait le tour. Ah putain, j'ai entendu un grognement, je crois. Non? En tout cas, il y a de la mouche. Ah, mais il y a des bruits dégueulasses. Mais non, mais je fous de ma gueule, putain. Des bruits de sang, de... Burk. Des bruits Burk. Bon bah c'est super. Mais attends, mais pourquoi faire? Comme ça? Pour le réalisme? Bah ça me plaît, mais y a vraiment rien. Enfin, un truc au fond de la piscine. Ah merde. Ah, y a rien. Comment je remonte? Quel beau gosse. Ah bah attends, je peux grimper là. Ah bah voilà, oui. Ouais. Tu casses ça? Ok. Tu casses ça? Chut. Ah, j'ai énervé une bestiole. Vas-y, casse la fenêtre. On va grimper, on va voir. C'est des portes, ça, non? Porte-fenêtre. Profitons des grillons et de cette musique apaisante. Ouais, il y a eu des... Il y a un mec qui a fait une incantation gutturale. Sauvegardé quand même. Ça va être hostile dedans. T'es morte? Merde. Attendez. Tellement de munitions. Putain. J'ai peur. Non, c'est bon. Mais... Ah. Toute seule? Ouais. Bon, alors. Ah mais non, c'était pas une bestiole, c'était la tête de lit. Oh putain, elle est dégueulasse. Là? Ah, elle est dégueulasse, ouais. Bah, attends, mais c'est fait en... C'est fait avec des boyaux et puis c'est un visage humain, ça. J'ai cru que c'était une bestiole, le cul d'une bestiole sur le lit, en fait. Tellement rapide. Tellement rapide. Ah oh, putain. Il saute à la gueule. Arrête de sauter. Elle va sauter. Bon, ça fait 3. Bon, ça suffit 3, c'est bien déjà. Si, franchement, ça va. Tester un petit peu mon magnum là. C'est quoi ça? Inconnu, prends-le immédiatement. Et identifie-le. Effet acquis, taux de guérison 60%. Que ah? C'est quoi ce truc? Attends. C'est un objet magique. En regardant ce fétiche momifié, vous ressentez un élan de vitalité dans votre chair mort-vivante. Augmente votre taux de guérison passive de 20%. C'est bon ça. C'est très très bon ça. 20%, si, c'est pas mal. Putain, je vois rien. Ah, mais t'es... Et encore une fois, t'es un vampire, tu dois voir dans le noir. Pourquoi on n'a pas de vision infrarouge? Bon, bah, attends, il y a une autre porte là-bas, on va aller la faire. C'est sûrement les chiottes. Bah, les chiottes sont propres. C'est quoi ça? Ouais, c'est organique ça. Oh putain.
devant un façonneur, façonneur de chair, n'est-ce pas? Qui s'amuse bien, il fait des têtes de lit, il fait des monstres. Il fait des fauteuils peut-être. Ah bah oui, c'est des fauteuils en peau aussi, bah voilà, très bien. C'est parfait. On est vraiment un gros couillon, hein. On nous envoie faire des trucs. Façon. Ça fait extrêmement mal ça, dis-moi. Ah si, ça fait plus mal que le fusil à pompe. Non, calme-toi. Il est affectueux lui, hein. Très affectueux, putain, deux balles, c'est génial. Faut que je les garde. J'en ai combien? Ouais, 32, ah, c'est bon, je peux me permettre. Je les garde que dalle. Ouais, redresse-toi, ça sert à rien. Ils s'en foutent que tu sois accroupi, ils te voient de toute façon. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, poche de sang! Oh, poche de sang noble! Oh, c'est quoi ça? Boule de chair? Tu vois? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Boule de chair, une étrange et répugnante boule de chair. Ah bon? Au four. C'était le dîner? Un petit peu d'argent, tout ça. Eve, traîtresse. Et j'aime les pommes. Ouais, bah voilà. Bravo. Et après, ça chiale parce que ça a pas le droit de vote. Aïe, bah oui, mon flingue était rangé. Oh là là. Sauvegarder. Bon. T'as bouclier de sang. Voilà comme ça. Non, j'ai envie. Il va rien se passer spécial. Hein. C'est juste l'envie. L'envie d'être protégé un petit peu. Ça arrive. Hein. C'est quoi ça? What is that smell? C'est Andrei. Blood hangs heavy on the air. Young. Oh, elle est très mère. Squirming larva of the wretched brood who stole their immortality. Tell me, child, are you scared? Do I frighten you? Is my knowledge of you unnerving? Mais qu'est-ce qui te passe ici? Cet endroit est complètement dingo. Oh, child of Cain. The sights in this haven pale in comparison to my ancestral estate. Comfort is a custom, and all of this artifice brings me closer to my home. Do not fear for my furniture, young one. Vous savez, je suis assez fasciné par l'architecture sanguinolente. En réalité, encore mieux que sur la bande. Oh yes, the tape. Merely a test. Certainly not intended to fall into mortal hands. Fortunately, we are in the capital of mortal trickery and illusion. So did the tape drive you to find me? From whence flows your longing, child? L'envie de vous botter le train, mais de quoi on parle? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe ici. Je suis plutôt intrigué par ça. Pourquoi avez-vous créé ces créatures? Ouais, en tant que trémère, et capable de créer d'animer des gargouilles, des homonculus. Dis-moi en plus, hein, je suis plutôt intrigué. To gouge out the eyes of the Camarilla. The sewers are clogged with my creations. Ah. I will kill or drive the Nosferatu from their pestilent nests. Without the sewer rats to guide them, the Camarilla will be blind to the Sabbat's designs. Le Sabbat! Alors vous êtes l'un de ces petits merdes du Sabbat, et c'est ça votre plan? Non, mais Riku, calme-toi, le monsieur il a l'air fort quand même. Le sabbat, je suis intéressé par cela. Font-ils ce que vous leur dites? Je suis intéressé par cela. Ouais, d'accord. Je ne peux pas laisser faire ça.
Non, parle-moi du sabbat, ça me fascine. It is not for me. It's for the will of the sabbat. The Camarilla is stunted, dead and festering in the womb, good only as pawns of the fathers. Even now, they answer the call of the ancient and seek to free him from his torpor. Tu parles du sarcophage? El Antigo? He slumbers within the Ankaran sarcophagus. Arrête, t'es au courant aussi. One of the fathers whose return shall hearken the reckoning. Guhena is at hand, and the Camarilla are unwittingly speeding us all toward our doom. D'accord. Donc on est d'accord. D'accord, on est d'accord. Il y a bien un ancien, alors, dans ce sarcophage. Peut-être pas, et ces créatures, c'est vous qui les avez faites. C'est ça, vous me fatiguez, je vais vous tuer. Cela sonne mal, peut-être que je peux rejoindre le sabbat pour empêcher cela. Peut-être pas, ces créatures. C'est vous qui les avez faites. Blessed creatures. Ouais, elles sont jolies, ouais, c'est vrai. I have broken through their mortal crust and drawn from them their greatest strength. Mutability. I coax bone, weave flesh, and lay sinew tight until it strains to lash out. Qu'est-ce que tu tiennes? Pas jusqu'à ce que tu le viennes. Enfin, monsieur, tu ne t'es pas bien parlé l'américain. Toi. Comment avez-vous trouvé la matière première? Mais ils sont très laids. Mais ils sont très laids, oui. Perhaps, but they are exquisitely functional. Still, there's an uncanny elegance to even this, my most mercenary of designs. À dire vrai, vous êtes encore plus laid qu'eux. Oh non. Cela a dû être un sacré travail de créer ces machines. Vous vous faites vraiment des idées, j'ai besoin de le remettre qu'il vous faut. Ouais, on va le tuer encore. Vous avez raison, ils sont de petite taille mais puissants, je les aime. Non, calme-toi quand même. Cela a dû être un sacré travail pour créer ces machines. Et c'est... Hola. Not too much for those of us able to give the gift of metamorphosis, young one. I know you have a cold appreciation for the aesthetic of my creations. I see awe and longing in your eyes. Ouais, ça c'est un dialogue spécial parce que je suis très mère, hein, tout ça là. Oh, si. Regardez-le. Il se dit putain. Si seulement je lui ressemblais. Ouais, mais jaloux, je pense. Mais on se parle d'égal à égal. Il sent que je peux faire comme lui si je veux. Ouais. Ouais, vous voyez la nostalgie qui va vous tuer. Bonne observation! Peut-être que je devrais rejoindre le sabbat. Je me chie dessus, donc on tente. Now, Camarilla Whelp. Oh. Let me see you fight your nature in the face of those who have embraced their beast. Deny yourself, King. Ah, tu t'en fous de ce que je dis, en fait. And be torn asunder by my minions. Ouais, bah t'es mignon, ouais. Ils sont pas mignons. Vous n'avez pas écouté, je tiens à vous rejoindre. Ah, merci. Ouais, c'est une sorte de test, c'est oui. Allez-y. Ah, je peux plus remonter. Merde. Ah, il est où? Attends, où est mon gun? C'est quoi ça? Ça sort d'où? Une balle? C'est un pistolet à éléphant? Attends, je l'ai ramassé quand? Ah oui, ça fait un peu mal, disons. Attends, mais j'ai plus mon bouclier de sang, mais on m'a volé! Hé. Calmez-vous, les filles. T'as 50 points de vie, il est pas mort, l'autre. Non, j'ai pas une... Alors, c'est bien, mais... Ça tire pas assez vite. C'est le problème. Oh, mais crève, toi. Mais arrête de vouloir m'embrasser comme ça. Bon, t'es où, machin? T'es là-bas? Ah, putain, il rentre dans le sol. Triche tellement. Purge de sang. Tiens. Ah, je crois qu'il est immunisé. Pas les steaks. Bah, elles vont venir à l'infini, c'est le problème, non? Ouais, ça me paraît très logique en plus. Et tuyaux partout. Bon, je vais canner comme une merde. Je sais pas. Non, j'ai pas la soif de violence là, suffisante. Je ne pas mes sorts. Purge de sang. Eh oui! Vous êtes chiantes! Ça sert à rien de les tuer, les petites. Bon, t'es où, machin? Montre-toi. T'es tout loin, putain.
Mais les appels. Ah, je le fais dégueuler. Il y a des dégâts ou pas? Mes sorts sont inefficaces sur lui, putain. Oh, frénésie. Super. Allez, tue le Ricky. Tue le. Oh, la frénésie. La frénésie qui tue les boss. C'est fini, dommage. C'était bien, j'aimais bien. Arrête! Arrête-toi aussi! Bon, hey. On se calme, on respire. On va prendre du Vitae d'ancien. On va se soigner un petit peu quand même. Oh, on est full life! Bah alors! Attends, mon pistolet à éléphant, il est où là? Il est dans la bouche, moi, tu vois. Ah, mais là, bouclier, suis-je bête? C'est pour ça. Tiens, dégueule un coup. Ah, c'est pas bon ça, hein? Allez, mets ta balle, toi, dépêche-toi. Boum! Attends, je vais le savater à coup de sabre. Non, la matraque! Oh, je te pisse dessus. Attends, arrête, je t'assure, t'es pénible. Viens là. Oh! Où est-ce qu'il est? Allez là! Oh, t'as un tocard! Y'a un tocard! Alors, je te matraque le fion, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je lui fais zéro dégâts, on dirait. Ça va bien se passer. Je l'aurai. Si, je l'aurai. Ya! 3, 3, 1. Bon, on est bien. Bon, non mais... Bah, il est mort. Il s'est pris une balle perdue. Arrête. Ah, t'es chiante, voilà! Bah alors! C'est qui le plus beau? C'est qui le plus fort? C'est Ricky Martini. Range ton arme. Parfait. C'est un bras du mec, ça? On dirait bien. C'est la tête du mec, ça? Merde, sûrement, ça disparaît. Non, c'est un petit peu gros. Bon, bah, c'est très bien tout ça, écoutez. C'était bien ce combat, hein? Vous êtes régalé. Oh ouais, autant que moi. Ouais, ça bouge un peu. Bon. Bon bah voilà. Bon bah je me casse. Je peux rentrer dans le tuyau ou pas? Attends, c'est quoi ça? Un secret là. Ma parole, ça s'ouvre. Oh oh. Ouais, on y va. Il y a des rats. Il y a quelqu'un qui chiale. Ouais, c'est un monstre. Super. Je dirais qu'il n'y en a pas qu'un. Non. Ils sont de l'autre côté de la barrière. Oh, t'as un tocard. Oh, tu meurs, écoute. Je peux rien faire. Oh, elle est partie. Elle va me contourner. Non, c'est bon. Ha ha ha! Foutez-le de ma gueule. Bon, on l'attend. Alors, c'est quoi ça? Un flingue? Très bien. Un presse-papier. Ça, c'est fort intéressant. Dis-moi en plus. On dirait le dossier d'un employé du département de l'eau et l'électricité de Los Angeles. LAWP, printemps 2004. Lundi 24, les premières enquêtes sur les étranges événements dans les égouts ont commencé aujourd'hui. Suis entré dans le secteur 13, passerai au 14 et 15 dans l'après-midi. Secteur 13 paraît normal. Mardi 16, secteur 13 vérifié. Mais entendu bruit non identifié dans certaines parties en 14... Ah, c'est peut-être un I4 et I5. Ouais. Et appelé centrale pour confirmer. Aucun autre inspecteur dans la zone. Notez coordonnées. Demain, inspection du I6. Mercredi 26, bruit étrange, sans doute un animal, encore dans secteur I6. Écrivez-vous à l'animal à l'intersection des couloirs 6-3 et 6-64B. Ouais. Mais j'ai rien trouvé après examen. Empreinte étrange dans la boue sur le mur, presque comme une main, mais difficile de voir dans le noir. Jeudi 27, autres empreintes dans le couloir 73D. Elles disparaissent dans une entrée vers une partie plus ancienne des égouts et appelées centrales, mais ils n'ont aucun plan de ces parties. À demander instruction, suis censé continuer avec prudence demain. Vendredi 28, 8h. Et commencer. Bon, c'est long, dis donc. Et commencer enquête dans partie ancienne ce matin. Revue l'animal, mais impossible à classifier. Sa peau paraît nue, reptilienne. Je l'entends tout le temps, comme s'il me suivait. Mais impossible évaluer distance à cause des échos.
Bon, il est 28, 9h15. Impossible de joindre centrale par radio, donc de faire rapport. Ouais, donc tu veux te faire bouffer. Odeur de plus en plus forte quand j'avance dans les anciens égouts, sans doute un cadavre d'animal apporté par les pluies. Enquête continue. 11h31. Et trouver l'origine de cette odeur. On dirait des restes humains. Est immédiatement appelé central, impossible de les joindre. On dirait le cadavre d'un clochard, mais des lacérations importantes dans la chair indiquent qu'un animal s'est récemment nourri de ce cadavre. J'ai noté les coordonnées de la dépouille et je rentre immédiatement pour faire mon rapport. Non, tu ne rentreras pas. 13h22, me suis un peu perdu dans les tunnels, toujours impossible de joindre la centrale. L'animal paraît approcher et je suis peut-être chassé. Et dégainer mon arme par précaution. 17h30, complètement perdu. Ah là là, t'étais tellement proche de la sortie. Enfin non, de la maison en fait. Bon, t'étais perdu. Sans doute encore descendu dans l'égout, suis suivi, j'en suis sûr, centrale injoignable, pile de ma lampe faiblisse. Mon Dieu, et vu créature monstre sans croc, peut pas sortir, plus de lumière, peut joindre personne, pitié mon Dieu, qu'est-ce que... L'écriture s'interrompt, éclaboussée de sang. C'est toujours amusant quand les gens écrivent qu'est-ce que... Enfin, ils écrivent ce qu'ils disent avant de mourir. Ouais. Si, c'est marrant. Bon. Ah, j'ai eu peur. Ah, c'est ouvert là. Une bestiole qui va me tomber sur la gueule. Non. Cette musique. Na, na, na. Tu vas mourir. Barrez-vous les rats. Putain, mais je me soigne tellement lentement. Est-ce que ça peut rentrer dans un tunnel? En marche, si ça m'arrangerait quelque part. Ça éviterait qu'elle saute partout. Allez, viens. Ok, viens pas. Dommage. Tu peux pas m'atteindre là? Oh merde, si tu peux. Ouais, on peut passer sous l'eau éventuellement. Mais on n'a pas envie de se mouiller. On va être obligé. Mince. Ah, une porte, la civilisation. Trop bien. Ah, deux portes, tu me régales. Ouvre tout. Oh là là, ouais. Allez, ouvre. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, des munitions pour Colt Anaconda. Ah, des cœurs d'arbalète. Oh, tellement de munitions. C'est tellement bon signe. Tiens. Journal. Ah, un nouveau, nouvelle édition du journal. Le secret de la mairie. Les égouts hantés murs. Quoi? Les corps n'ont jamais été retrouvés. Les égouts hantés murs. Ah, j'en perds mon menu. Journal. On dirait le journal hebdomadaire du département de l'électricité de Los Angeles, 1972. Ah, 3 mars. Des rapports sur les récents fantômes des égouts ont poussé le maire à demander la tenue d'un journal hebdomadaire des opérations dans les sections inférieures. 453-500. Le journal commence aujourd'hui. Rien à remarquer, mais certaines histoires me paraissent idiotes et sans fondement. Bah, du coup, le journal qu'on a trouvé, c'était un vieux journal. Et ouais. Ouais, alors 10 mars, les deux équipes d'investigation de cette semaine n'ont rien rapporté d'exceptionnel, mais l'un des membres, qui n'a pas l'air de boire que de l'eau, a remarqué qu'il a entendu des murmures, faute d'un meilleur mot, lors de sa ronde dans la section 476. Ce devait être l'œuvre d'une imagination active et imbibée. 17 mars, rien à rapporter, opération normale. 24 mars, c'est le chaos ici. Avec les apparitions à la chaîne dans les sections, bien que la plupart aient décrit les silhouettes sombres, ces rapports viennent d'hommes en qui j'ai confiance. Si on élimine les histoires habituelles de communautés souterraines de sans-abri, et les animaux sauvages et aveugles, je ne sais pas comment expliquer cette observation. Je vais accompagner les équipes demain pour voir par moi-même ce qui se passe en bas. 1er avril, j'ai accompagné une équipe dans les sections en question et je dois reconnaître que j'ai vu et entendu des choses inexplicables. Plusieurs fois, j'ai entendu les murmures déjà rapportés et j'ai poursuivi ce qui m'a paru être une silhouette sombre dans un couloir. Pour finir ma course devant un mur de briques, on aurait lu une section ancienne des égouts qu'on aurait murée.
Il n'y avait personne dans les parages, mais j'aurais juré entendre un rire qui rebondissait dans les ténèbres autour de moi. Je vais être obligé de faire mon rapport au maire lui-même vendredi. 8 avril, le maire nous a tous fait jurer le silence au sujet de ses observations, mais il a promis de répondre aux inquiétudes dans la semaine. Des demandes d'anciennes archives et de vieux rapports du LAD ont rencontré une résistance étrange. On dirait qu'on les a classifiés pour raisons officielles. Il y a quelque chose de bizarre. 15 avril, le maire a annoncé aujourd'hui que les sections 475-500 seront définitivement murées et qu'aucune autre enquête ne sera tolérée sur ce sujet. J'ai quelques contacts au bureau des relations publiques et on dirait que ce genre de choses s'est déjà produit et que le conseil de la ville n'a pas envie de faire trop de bruit. Mon contact a dit qu'il ne pouvait pas m'en apprendre davantage et que si je parlais à qui que ce soit, il n'irait me connaître. Oui, carrément. 22 avril, les sections d'égouts ferment demain et les ingénieurs de la ville ont muré les couloirs qui y mènent. Ce bureau se trouve dans la section 482, il sera donc muré lui aussi. Puisque personne n'a demandé les journaux, toutes les archives concernant ceci seront laissées à moisir avec les fantômes. Je le regrette, mais puisqu'aucune personne officielle ne lira jamais ces lignes, j'ai pu m'étendre sur les événements de ces derniers jours. Journal terminé. Bon, bah c'est les Nosferatu, hein. Nosferatu qui sont installés et qu'on fait flipper tout le monde. Bon, après, le maire, il a dû être payé par la... Camarilla. Hein. En mode, arrête d'enquêter, s'il te plaît. Prends cet argent et on est bien. Putain, je suis où là? Bah, c'est bien ici. Il y a un plan là-bas, je vais aller voir. Il y en a même un là. Non, celui-là il est pas lisible. On va voir un petit peu où est-ce qu'on est. On est Hollywood, d'accord. Donc on est arrivé à Hollywood. Donc, c'est pas la bonne direction ici. Ici, c'est pour retrouver la liberté. Merde. Et apparemment, on la veut pas. Non, apparemment, on veut enquêter. Ouais, parce qu'on aime bien les monstres. C'est plutôt bizarre, je vous l'accorde. Voilà. Ah bah c'est fermé, d'accord. Bon bah du coup je repars dans mes égouts pourris. Super. La musique m'attendait pour redémarrer. C'est vrai qu'il y en avait un qui courait là. Il s'éclate bien, hein, il se défoule pépère. J'ai bien ça. Tiens, tu cours à moins vite. Allez, tu meurs. Merci bien. Un truc rouge là-bas, hein. Ça a l'air bien. Ah putain. Ah, je l'ai eu, dis donc, ouais. Je tire dessus quand il saute, ça lui plaît pas, hein. J'ai arrêté de recharger. Ouais, faut les tirer en plein vol, c'est ça le secret. Maintenant, on est indestructible. Bah viens. Viens, saute-moi dessus, tu vas voir ta gueule. Oh putain, il y en a deux. Ah, c'est grave. C'est amusant. Oh, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime. Ah, ça y est. Un troisième ou pas? Putain, un troisième, c'est une blague. Ah mais attends, mais non. Non, ils se reproduisent là, quoi de bordel. Bien être compréhensif, mais j'en ai tué combien? J'en ai tué 5, non? Ah, y'en a plus. Attends, ils étaient là? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eau qui coule, non, c'est pas un tapis roulant, calmez-vous. Alors, on va aller vers la lumière rouge, ça a l'air sympathique. Bon, après, je vais essayer d'être un peu plus discret. On n'est pas obligé de les tuer, hein. Non, on n'est pas là pour ça. Non. C'est pas notre guerre. No es mi guerra. Non. Maintenant, il y a des barreaux. Tu vas faire quoi arriver au bout? Tu vas faire demi-tour?
C'est une blague. Ou alors il y a un passage que j'ai pas vu. Sur les côtés. Ah mais putain. Ouais, pardon, hein. Mais ça met un peu la haine. Bon, bah voilà. Bon, bah je fais demi-tour. Voilà, c'était bien. Moment de solitude qui a duré longtemps. Hein. Le tunnel est assez long. Bon, je peux passer. Voilà, je peux passer par là. Bon, en même temps, les petits, je peux pas vraiment être discret avec elles. Hein. Si tu veux que je passe discrètement, me bouffer le cul. Ouais. Oh putain, ça arrête où ça arrête là. Ah, tu viens plus maintenant. Il me frappe en apesanteur, je les vois. Hein. On voit le coup de patte arriver dans la gueule. Hein. Mais des revers même, mais des gifles en fait. Des gifles, comment? Des reverse, des gifles reversés. Même pas une griffe en fait. Non, il tape avec le dos de sa main. C'est tellement humiliant, putain. Bon, il y a des tunnels là, des petits tunnels où aller, mais j'ai pas envie d'y aller. Mais pour rien, je le sens. Pour l'instant, on va essayer d'atteindre la salle toute rouge. Elle a l'air importante. Ah, ah, puis cette cadence de tir à chier là. Je perds de la vie moi. Arrête. C'est ramassé là. Ah. Des fois ça tire vite. Puis des fois non. Putain, c'est un cul-de-sac. Voilà, j'étais pour rien. Ah non, non, c'est un niveau de merde. Ah, c'est des égouts en même temps. Oh putain, fallait que je prenne le tunnel là. Toutes ces balles gâchées là. C'est triste. C'est pour ça qu'il en a donné autant le jeu dans la caisse. Ouais. Il sait lui. Il sait ce qui nous attend. J'ai plus beaucoup de balles par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est bien. Oh, un ordinateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce bordel là? Raccourci. Que hein? Je connais pas. Si? Non, je crois pas. Sésame. Ouvre-moi ça immédiatement. Raccourci vraiment. Il est pas ça pour me faire plaisir. Porte dérobée, déverrouillée. Attends, mais je connais pas ça. Non, vraiment. Du coup, il était où le passage normalement? Je sais pas, on va aller voir. Que si c'est vraiment un raccourci, c'est une très bonne chose. Et ça, j'ai aucun souvenir d'une porte comme ça. Je sais pas où était le passage du coup, s'il y avait un clodo là. Oh merde. Cache-toi, cache-toi. Il est gros lui, il a les tétons, qui brillent. Ouais, mais t'es mort aussi. The End Desire. Strident les rats, putain il bouge pas. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un bras, une pince de crabe. Bon, je vais me le faire. Hein. Ça va aller. J'ai un fusil magique là. Je suis perdu dans ces sorts, vol de sang. 42. C'est pas mal, ça te calme ou pas? Mais tu bouges pas? Ah si, je m'en souviens de ça. Tu fais des sales bruits quand tu marches. Ouais. Mais t'es bidon, pourquoi tu bouges pas? Je te one-shot. Voilà. Je te one-shot plusieurs fois. On pourrait dans Doom, hein. tellement dynamique. Tu parles d'un raccourci, toi. Station de contrôle, ouais, on peut l'ouvrir. Si vous... Bon, ça, je vais peut-être le garder pour je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je suis perdu là, je connais pas là. Soit je connais pas, soit c'est tellement chiant comme passage que j'ai oublié.
Attends, je peux rien faire. Attends, regarde, ça brille. Ok, c'est bien. Bravo à toi. J'ai actionné un truc. On voit pas vraiment d'effet. D'effet immédiat. Hein. C'est quoi ça? Ah, mais ces portes-là s'ouvrent. Qu'est-ce que tu dis? Où est-ce qu'on est? Non. C'est tellement gros que ça tremble. On l'a pas bien vu, hein. C'est un cadavre. Regardez-moi ce saloperie. Oh non, on a pas envie de se battre comme ça, on est d'accord. Je vais passer par là, par contre. Bon, on va la jouer discret. On va prendre le fusil à pompe. Des fois que ça se gâte. Quoique non, j'ai mon magnum, c'est bon. Anaconda! Sauvegarder aussi. Je sens l'accident. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, je pourrais le tuer là. C'est vrai. Je vais le tuer. Ah, tu jettes des cadavres, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ça sert à rien, j'ai une porte. J'ai un bouclier qui me protège. Ah, tu jettes des squelettes aussi. Le mec. Enfin, le mec. On sait pas trop. Monsieur dame. Ah, t'es pas très intelligent, hein. Par contre, t'es sacrément résistant, saloperie, putain. Je vais me le faire. Oh, il me fatigue. Je suis à bout, plus sûr. Et des piliers aussi, on est bien. Voilà. Alors, skill patron des égouts, maintenant. C'est Ricky. C'est beau, ça. Dire un vitrail, c'est plutôt magnifique. Ouais. Non, tout ça, c'est une zone qui m'est complètement inconnue. Et ben, je suis content parce qu'elle est plutôt jolie. Après, où est-ce que ça va nous mener? C'est une bonne question. Mais... Sans quoi je découvre. Aïe, il m'a cogné. Bon, on va aller là. On s'enfonce. Oh putain, il y avait un piège. Fait mal en plus. T'es que c'est pas pareil. J'y souffre. Oh, oh là. Ouais, alors par contre, essaye de pas tomber. Je vais faire vachement gaffe. Il suffit de sauter et vous allez atterrir près de notre rivage. Pour quand vous voudrez vous faufiler à l'intérieur sans que le patron vous remarque. Mitnik, quoi. PS, j'espère que tu n'as pas été trop blessé par le bug stopper que j'ai mis en place. C'est un message d'Énosphère à tous, hein. Il suffit de sauter. Aïe. Il y a quoi de camper. Je saute là-dedans. On marque, c'est de l'eau, on marque. Oui. Ouais, mais attends. Attends voir. Méfie quand même. Ah, bah c'est fermé. On n'a pas le choix. Bon, bah on y va alors. Hein. Range ton flingue. Sauvegarde pas, on a confiance.